Je dirais que Arles est capable de tout. Arles a donné le premier musée d'ethnographie provençale en province. Elle a donné cette cité brillantissime à l'époque et à la suite de César. Et d'ailleurs, c'est une cité brillante depuis les Grecs. Et c'est une ville qui porte et qui est vraiment un catalyseur de créativité. De 200 photographies, c'est quand même déjà un beau programme, parce qu'on a vraiment envie de célébrer à la fois le fond historique et puis de retracer les grandes lignes du développement de la collection jusqu'à aujourd'hui. But there's only one way out. So I've been thinking that I think too much. And I can't sleep without thinking of us. And I've been seeing shit like Harkas. It's burning down, I gotta drown this out. And you said you need me to let this go. But it's who I am, or am I just losing it? Cause you said jump and I went first, but falling's always been. C'est vrai que dans la photographie, on est dans l'univers du multiple, qu'aujourd'hui on est noyé par l'image. Donc l'idée de sentir l'œil, le regard et tout ce qui fait qu'une photographie peut avoir la même force que n'importe quelle œuvre d'art, qu'il s'agisse d'une sculpture, qu'il s'agisse d'une peinture. Chercher cette espèce de justement d'étincelle qui fait la différence et qui fait qu'il y a vraiment des photos qui sont fortes. Show you what it feels like. Give me no reason. How are we still breathing? How are we still breathing? I'm falling down so low. Is this what I was meant to see? How was I to know? I don't know. On célèbre le cinquantenaire, de la création du premier département d'art photographique inventé dans un musée des Beaux-Arts. Et quand je dis inventé, c'est vraiment quasiment une invention à l'époque que nous devons, bien entendu, comme vous l'avez rappelé, à Lucien Clerc. Et c'est vrai que le musée Réattu reste, demeure et sera toujours le berceau de tous ses rêves. Breathing.